إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revenons à notre cours, mais avant d'entamer celui-ci, je céderai la parole à notre frère Edouane qui avait été chargé donc de nous donner quelques précisions, inshallah, et je lui laisse la parole sans plus tarder. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc ma recherche consistait à donc citer les femmes qui ont allaité le prophète صلى الله عليه وسلم et donc les frères et sœurs de lait du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc d'après mes recherches et parmi les femmes qui ont allaité le prophète صلى الله عليه وسلم, il y a la première femme qui l'a allaité, c'est Thuwayba, qui est donc la captive affranchie d'Abu Lahab, l'oncle paternel du prophète صلى الله عليه وسلم. Et donc une des autres, l'autre femme qu'il a allaitée est Halima bint Abi Dhu'ayb, qui est mariée à Al-Harith ibn Abd al-Uzza, appelé Abu al-Kabsha, qui font partie tous deux de la tribu des Banu Sa'd. Et voilà, donc pour les femmes allaitées, c'est donc ces deux femmes là que j'ai trouvé d'après mes recherches. Et donc pour les frères et sœurs de lait, il y a donc ceux qui ont allaité donc dans le même sein que le prophète sallam chez Thuwayba, c'est Masrouh, qui était donc le fils de Thuwayba. Et il y avait aussi Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Salama ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi. Et donc parmi les autres frères et sœurs de lait, donc du côté de Halima bint Abi Dhu'ayb, il y a Abdullah ibn al-Harith, Anisa bint al-Harith, et Judhama et Hudhafa ibn Ay al-Harith. Donc c'est tous les quatre enfants d'Al-Harith ibn Abd al-Uzza. Donc c'était les enfants de Halima. Et Judhama, en fait, elle était plus connue sous le nom de Shayma. En fait, son surnom a pris le dessus sur son nom. Et il y a aussi Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc son frère de lait. Barakallahu fik, akhi Ridwan, pour ces précisions concernant donc les frères et sœurs de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les nourrices donc de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a Halima qui est la plus connue donc d'entre elles. Certaines traditions nous parlent, mais elles ne sont pas très fiables en soi, nous parlent que Halima serait revenue plus tard, des années plus tard elle serait revenue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien entendu, ces narrations sont à prendre avec beaucoup de précautions, pardon, car il y a un certain doute quant à leur authenticité. Nous allons continuer, inshallah, ce que nous avions vu ensemble la semaine dernière. Et je voudrais m'arrêter un instant concernant cette question qui a été soulevée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui concerne le butin. Comme vous savez, Hawazin, cette tribu, laisse et a laissé derrière elle, après la bataille de Hunayn, un immense butin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir levé le siège de la ville, Ta'if, contre l'avis de certains de ses compagnons qui voulaient continuer donc à se battre contre les Hawazin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à convaincre les compagnons de lever le siège, de rentrer. Car comme nous l'avons vu la semaine dernière, son but n'était pas de prendre Taif, c'était de briser le moral des gens de Taif et l'unité interne
des gens de Taïf, afin qu'ils prennent conscience qu'ils sont sous un danger perpétuel, parce qu'ils sont entourés par l'islam de part et d'autre. Les positions avancées de l'islam entourent et cernent la ville par-ci et par-là, et de ce fait, ils n'ont de choix que la reddition ou la conversion à l'islam. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé le siège et a ordonné un repli stratégique donc de l'armée. Et le prophète de rejoindre un endroit qui s'appelle Al-Ja'rana. Al-Ja'rana. Et c'est là-bas que se trouvait cet immense butin. Al-Ghanaim. Beaucoup. Cet immense butin, c'est de l'or, c'est des armes, c'est des femmes, des enfants, qui étaient bien sûr prisonniers, c'est aussi des terres, c'est aussi des chameaux, des chamelles, des moutons. Car rappelez-vous ce qu'on a dit la fois passée, ils sont sortis avec une ribambelle, donc de moutons et de chameaux, et on se posait la question, qui partait combattre? Est-ce que c'était les hommes ou bien les moutons, les chameaux par lesquels ils se sont fait accompagner pour cette bataille? En tous les cas, ce qui est à retenir ici, Inch'Allah, c'est que comme vous le savez, Hawazin, qui quitte Hunayn, qui rentre à Taif, qui subit donc le siège, et après ça le prophète qui demande de lever le siège et de se rabattre sur Ja'rana, le prophète est resté plus d'une dizaine de nuits sans partager le butin, parce qu'il gardait encore espoir que Hawazin, après cette défaite morale, Hawazin puisse venir se convertir à l'islam. Regardez comment le prophète sallam est sage, parce qu'il veut, en fait les intégrer au partage du butin. Vous imaginez? Il veut les, c'est pour ça qu'il retarde le partage. Il dit, j'attends qu'ils viennent, j'espère qu'ils vont venir se convertir, comme ça eux aussi je vais leur donner une partie du butin. Or, après ces dizaines de nuits, il n'y a pas de signe. Et c'est là qu'il décide de partager. Alors la méthode était la suivante, parce qu'il faut rappeler que il y a un cinquième du butin qui revient in facto au prophète Hassel, conformément au verset 41 de la sourate Les Butins, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit فَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. Le cinquième, c'est pour Allah Azza wa Jal, et le prophète est mandaté pour l'utiliser. C'est pour les orphelins, c'est pour le voyageur, et c'est pour aussi les proches. Et d'ailleurs, le prophète, sallam, ce cinquième, il est mis sous son autorité, il le partage comme il en vit. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne s'est jamais enrichi. Un chef qui a droit au cinquième, il ne va pas hésiter. Surtout qu'on parle de Dhawil Qurba, il est proche. Donc, ben rien. Il préfère toujours faire passer les étrangers avant sa famille. Parce qu'il a un pacte avec sa famille. Ce pacte qu'il a avec sa famille, surtout avec ses épouses, c'est qu'il leur a laissé le choix entre l'au-delà, avec toute sa richesse, avec tout son bonheur et ses délices, et ce bas monde, avec l'ascétisme et la privation. Et lui, bien sûr. Alors les épouses ont dit, on te choisit toi et la privation. Parce que soit vous choisissez, je corrige ce que j'ai dit, soit vous choisissez ce bas monde avec sa richesse, ou alors vous choisissez le prophète sallam, la privation et l'au-delà. C'était ça le parallèle. La femme qui veut le confort, eh ben, ce ne sera pas avec le prophète qu'elle va le trouver. Dans ce cas, il pouvait la divorcer, qu'elle aille se remettre avec quelqu'un d'autre. Pas de souci. Or, les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'unanimité, ont choisi de rester avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de vivre dans la privation, afin de gagner l'au-delà avec tous ses délices
et bien sûr ses plaisirs et son bonheur. Vous voyez? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa politique dans la gestion de ce cinquième du butin, c'était toujours de faire passer les autres avant lui-même et ses proches. Toujours. Quant aux restants, les quatre cinquièmes restants, il le partageait avec les combattants. Et les combattants ici, pour le fantassin, il a droit à une part. Le cavalier, lui, a droit à trois parts. Une part pour lui et deux parts pour son cheval. Je veux dire, le cheval, qu'a-t-il à voir dans cette histoire? Le cheval, il n'a rien à voir. Le cheval, il court, il galope, il s'arrête, il tombe. Eh bien, c'est là le problème. Parce que celui qui est à cheval, contrairement à ce qu'on peut penser, il a plus d'efforts à faire dans la guerre que celui qui est à pied. Qui sait me dire pourquoi? Fais. D'abord, il doit garder le cheval tout le temps. Ensuite, on va compléter ta réponse par celle de Psara. Vas-y, Psara. Il y a 100 parties, ouais, c'est vrai. Mais il y a encore d'autres détails. Donc, vous rejoignez dans le sens où il faut entretenir le cheval, etc. Oui, oui. Quand il lance une attaque, c'est toujours les cavaliers qui sont en première ligne ou qui sont en première ligne. Pas toujours, non. C'est vrai que la cavalerie prophétique était souvent mise à l'avant-garde, mais ce n'est pas une règle générale. Barak Lofik aussi. Celui qui est à cheval, il est plus exposé au risque que celui qui est à pied. Sa monture peut tomber, il est plus vulnérable au tir des flèches que celui qui est à terre. Donc il a une série de désavantages qui fait que dans le butin, il a droit à une part pour lui et deux pour son cheval, de par l'entretien, de par les risques qu'il court, etc. Donc ça c'est par rapport au partage. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce partage, il va partager ce qu'il y a, ces biens qui sont mobiles, et il y a des biens immobiles. Les biens immobiles, ce sont les terres. Ça, les terres, le prophète, généralement, ce qu'il faisait, soit il partage ça entre les combattants, ou alors il le transformait en waqf. En un bien public dont tout le monde peut profiter, mis sous la tutelle de l'État. Alors on va demander à quelqu'un ici, Inch'Allah, parce que je vois qu'il y a des défections dans les exposés, qui veut nous faire une petite recherche sur le waqf. Qui se propose de faire une petite recherche sur le waqf? Le waqf, c'est une institution de bienfaisance très très importante, et même beaucoup de savants, même contemporains, disent que si le waqf était bien utilisé, il est l'une des solutions à la pauvreté qu'il y a dans les sociétés arabo-musulmanes, dans les pays musulmans, partout, que ce soit au Maroc, en Arabie, en Turquie, en Albanie, partout il y a des waqf qui existent. Mais pour ne pas rentrer dans les détails de ce waqf, qui se propose d'aborder, de faire plus de recherches sur cette institution de bienfaisance? Quel est son rôle? En quoi consiste-t-elle exactement? Qui se propose? Khalid l'a déjà fait, c'est bon. Yusri, on l'attend la semaine prochaine, on l'attend de pied ferme. Oui, tu veux le faire? Rappelle ton prénom. Azdin. Azdin, donc tu vas nous définir qu'est-ce qu'est le waqf, ok? Et à quoi il sert? Ça fait? Donc, les terres, c'est bien immobile, soit il les partage, ou alors il les transforme en waqf, mis d'office sous la tutelle de l'État. C'est comme ça. Alors, le prophète sallam va procéder aussi, à travers le partage, à une méthode de partage qui est inédite. Une méthode de partage inédite qui va laisser plus d'un compagnon, surtout les Ansar,
perplexes et dans le désarroi. Ils ne vont pas comprendre pourquoi le prophète sallam partage ainsi. Alors vous allez me demander, mais quelle est cette méthode inédite que le prophète utilise et use pour partager entre les combattants, pour partager le butin entre les combattants? C'est que tout simplement, il va priver les Ansar de leur part, alors qu'ils sont combattants, et il va donner plus aux nouveaux convertis à l'islam. C'est à eux qui va donner plus qu'aux autres. Et selon le recensement de certains historiens, ils disent qu'il y a en tout et pour tout 52 personnes qui ont eu droit à des parts conséquentes du butin. Et parmi ces 52 personnes, des notables de la Mecque, comme Abu Soufiane, des gens appartenant à certaines tribus, comme celle de Ratafan, vous avez le compagnon fraîchement converti, Al-Aqra ibn Habis, et vous avez également, parmi ceux qui ont reçu, vous avez Uyayna ibn Hizn, font partie de ceux qui ont reçu une part conséquente, ainsi que Safwan ibn Umayyah. De nouveau, je lance la recherche. Safwan ibn Umayyah, il est intéressant. Il a une histoire assez étonnante. Qui se propose de nous faire une petite biographie de Safwan ibn Umayyah? Je vise les deux honorables frères là-bas. Les qui de vous deux? Sinon, c'est votre frère qui va... C'est Khaled qui va vous départager. Hein. Qui se propose de vous deux? Bien de le faire ensemble. Vous pouvez le faire ensemble, si vous voulez. Vous le faites ensemble et après vous désignez... Attention, vous le faites ensemble, après vous désignez qui va prendre la parole. C'est bon comme ça? Ouais, c'est question de... qu'on gagne du temps. Vous faites ça ensemble? Ok. C'est qui le personnage? Safwan ibn Umayyah. Tu notes, Mohamed Amin? Safwan ibn Umayyah, sa biographie sera abordée par nos deux honorables frères, Mustafa et Ibrahim. Ok? Très bien. Alors, les Ansar n'ont pas compris cette manière. Et avant ça, il y a une très belle parole de Safwan ibn Umayyah, même si nos deux frères vont quand même la relater dans leur exposé. Je me permets quand même de la devancer et de la citer et l'évoquer. C'est que Safwan ibn Umayyah ne supportait pas du tout le professeur sallam. Il le supportait. Il avait une haine contre le professeur sallam. Il avait une haine viscérale. Et même lorsqu'il s'est converti, il avait encore sur le cœur. Je ne vous dis pas pourquoi. Je laisserai nos deux frères nous faire part de la raison exacte pourquoi c'était ainsi. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans un propos assez étonnant d'ailleurs, il dit « لَقَدْ أَعْطَانِي يَا رَسُولَ سَلَّمْ مَا أَعْطَانِي » Le prophète m'a donné ce qu'il m'a donné. وَإِنَّهُ لَأَبْغَدُ النَّاسِ إِلَيْهِ. Et c'est la personne que je détestais le plus. فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى صَارَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْهِ. Et il n'a cessé de me donner en plus, toujours plus, jusqu'à ce qu'il devienne la personne que j'aime le plus. Incroyable. Regardez quelle sagesse. Il a réussi à gagner son cœur, et c'est pour ça que l'une des catégories qui a droit à la zakat, c'est ce qu'on appelle mu'allafatul quloub, ceux dont il faut gagner les cœurs à l'islam, consolider leur cœur à l'islam. Vous voyez? Alors regardez ici, comment ce don généreux de la part du prophète sallam a transformé le cœur de cet homme. Il lui a fait aimer le prophète et bien sûr l'islam, parce que le prophète sallam est porteur donc de l'islam. Alors le prophète sallam pressentait que certaines personnes
risquerait de ne pas être contente quant à la manière de partager ce butin. Les Ansar qui se sont beaucoup investis, qui ont perdu des leurs, se voient du coup privés. Alors ici, le prophète va donner quelques indications, sallallahu alayhi wa sallam, de la raison pour laquelle il a mis en évidence ces gens, donc ces fraîchement convertis à l'islam, et qu'il a privé les autres. Alors je vous cite trois de ces indications que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part pour nous expliquer et lever le voile quant à la raison pour laquelle il a privé les vétérans de l'islam parmi lesquels les Ansar et qu'il a privilégié ces nouveaux convertis qui couraient sur le champ de bataille et couraient après le butin. Vous avez l'impression qu'ils courent après un soldat, mais en fait ils courent après le butin. C'est le butin qui les intéressait. Ils sont encore fragiles au niveau de leur foi. Ils ont encore la mentalité de la jahiliya, de partir en guerre, mais partir en guerre pour se venger, partir en guerre pour ramasser une action de butin, ils ont encore cette mentalité-là. Alors que les premiers rangs de l'islam, les muhajirs, les ansar, eux, ils sont éduqués, ils ont d'autres visées, beaucoup plus grandes. On va y revenir après, inchallah. Alors le prophète sallam nous avance la raison. Il dit, je jure par Allah de donner à un homme et de priver un autre. Et celui que je prive m'est beaucoup plus aimé que celui à qui je donne. Il dit, je donne à l'un et je prive l'autre. Mais celui à qui je prive, il m'est beaucoup plus aimé que celui donc à qui je donne. Mais, cependant, je donne à des gens en raison de cette fragilité qui anime leur cœur. De cette fragilité, faiblesse et peur qui animent leur cœur. Et quant aux autres que je ne donne, à qui je n'ai pas donné, eh bien, je les renvoie à la position forte qu'occupe l'islam dans leur cœur. Ça, c'est une indication. La deuxième indication, il dit, je donne à des gens qui ont fraîchement quitté l'incrédulité afin d'apaiser et de consolider leur cœur. Et aussi la troisième indication. Il dit, je donne à des gens alors que d'autres sont pour moi, ils sont beaucoup plus aimés pour moi que ceux-ci, mais ceux-ci, je crains pour eux qu'Allah Azza wa Jal les fasse basculer dans l'enfer. Vous avez compris ça? Donc je donne à certains, je leur donne, mais les autres, je les préfère. Mais ceux-là à qui j'ai donné, je leur donne parce que j'ai peur qu'Allah Azza wa Jal, que si le prophète aurait fait l'inverse, il aurait donné au muhajir et l'ansar, il aurait privé ces gens-là, ben, probablement que ceux-là vont renier leur foi. Parce qu'ils sont encore fragiles, ils ont encore la mentalité d'avant, de sortir pour le butin. Alors il a préféré. Regardez comment il est sage, comment il est psychologue. Regardez comment il est psychologue. Et ça, cette touche de réalisme nous manque aujourd'hui. On ne tient pas compte du statut de chacun, de la place qu'occupe chacun, de sa situation, de son passé, de son parcours, de l'horizon duquel il vient. Le prophète ici, on tient compte. Normalement, il doit donner un peu à tout le monde. Eh bien ici, qu'est-ce qu'il fait? Il prive ceux qui ont la foi assez forte, alhamdoulilah, et il donne ceux qui sont fraîchement convertis, parce qu'il sait que ce sont des gens qui sortent uniquement pour le butin, ils sont musulmans, s'il ne leur donne pas assez, eh bien, ils risquent de renier leur foi, et c'est l'enfer. Alors pour leur éviter ce sort-là, il les gagne à ça, en leur donnant. Les trois? Ah ouais. Donc, je donne à certains... Donc je jure par Allah que je donne à certains et que je prive d'autres. Et ceux dont je prive me sont plus aimés que ceux à qui je donne.
et ceux dont je prive me sont plus aimés que ceux à qui je donne. Cependant, je donne à certains dans le but de gagner leur cœur. L'autre indication, je donne à certains qui sont fraîchement convertis, qui ont fraîchement quitté l'incrédulité, dans le but d'apaiser et consolider leur cœur. Et troisième indication, je donne à certains, alors que les autres dont j'ai privé me sont beaucoup plus aimés, cependant ceux-ci, ou ceux-là, donc les premiers, je crains pour eux qu'Allah ne les fasse basculer dans l'enfer. Et on a compris pourquoi. Alors, comme je disais, les Ansar étaient dans une mauvaise posture parce que ils ont eu un ressentiment. Ça les a quelque peu blessés, chagrinés que le prophète ne leur donne rien. Un sentiment humain, naturel. On ne peut pas leur en vouloir. Alors, les plus jeunes parmi les Ansar disent on fait appel à nous dans les moments difficiles, mais c'est aux autres qu'on donne le butin. Regardez comment on réfléchit. Regardez Satan par quelle porte il rentre. Satan, il rentre toujours par la porte de la division. Des situations ambiguës, complexes. Au lieu de pouvoir aborder une situation complexe avec une tête froide, à tête reposée, sans passion, nous souvent on intervient à chaud et on regrette après parce qu'on émet des jugements sur des gens qui sont tout à fait innocents. Et bien regardez ici, c'est ce qui va se passer au début parce que ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des anges. Mais on va voir comment le prophète va réussir à gérer la situation de façon très sage, très très sage, sans leur en vouloir. Alors, donc l'un d'entre eux va dire ça. Donc il va dire, on fait appel à nous dans les moments difficiles, mais on donne le butin aux autres. Et diront aussi, on donne à Quraysh, parce que la plupart des combattants étaient des Quraychites, c'est fraîchement convertis à l'islam, étaient Quraychites. Alors que nos sabres à nous, nous les Ansar, nos sabres à nous, sont encore trempés de sang de ces Quraysh qu'on combattait. Donc c'est comme si le prophète ne tenait pas compte de tout ce passé de sacrifice de ses compagnons, de ses Ansar, contre les ennemis d'hier qui sont maintenant musulmans et à qui on donne. Alors, face à ça, il y a un compagnon qui est l'un des chefs des Ansar, Sa'd ibn Ubada. Il va se présenter auprès du prophète sallam pour lui faire part qu'il y a des propos qui circulent parmi les Ansar au niveau de ta manière de partager le butin. C'est un grand problème ça. Alors il va lui dire, et toi, que dis-tu? Regardez la stratégie prophétique. Regardez la pédagogie prophétique. Il sait que c'est un chef lui. Il sait que c'est un homme écouté. Alors bien sûr, Sa'd ibn Ubada radiallahu anhu va répondre, je fais partie des Ansar. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu comprends, Anas? Voilà, je pense comme eux. Je ne peux pas me désolidariser des Ansar. Je fais partie d'eux. Dans ce qu'il dit, je le dirai aussi. Alors il a dit à Sa'd, rassemble les tiens. Rassemble-moi tous les Ansar sous une tente. Et il les a tous réunis. Et alors il va, lorsqu'ils seront tous là, il va faire son discours d'introduction en glorifiant Allah Azza wa Jal, en le louant. Et ensuite, il va s'adresser aux Ansar directement. Un discours historique retentissant. Il ne va pas leur crier dessus, vous n'avez pas honte. Toutes ces années avec moi, vous n'avez pas tiré de leçon. Parce que le prophète, c'est les mystères des choses. Et c'est là qu'on voit qu'il est pédagogue. Il sait que l'être humain
il peut avoir autant d'acquis dans sa foi, ça reste un être humain. Il a ses moments de faiblesse. Il a ses points faibles. Ça ne sert à rien de le réprimander. Il faut savoir comment le prendre. Alors, le prophète s'adresse à cette assemblée de Ansar réunie et curieuse de savoir la manière dont il va leur répondre, la manière dont il va leur expliquer ce partage qui leur est apparu inégal. Alors il va dire, je vous interroge, ô les Ansar. Ne suis-je pas venu à vous alors que vous étiez égarés et Allah vous a guidé par mon intermédiaire? Ne suis-je pas venu à vous alors que vous n'aviez rien et Allah vous a accordé la richesse? Et à chaque fois, ils répondent oui. Certes. Et après ça, il leur dit, à vous maintenant de vous exprimer. Mais en fait, les Ansar n'ont plus rien à dire. Je suis venu à vous, j'ai fui les miens, vous m'avez accueilli parmi vous. Il dit, exprimez-vous. Alors, ils diront, toute la grâce appartient à Allah et à son messager. Une manière de dire, on n'a rien à dire. Il leur dit, si vous avez à dire quelque chose, et si vous le dites, eh bien, vous direz la vérité, et on confirmera que c'est une vérité. Donc c'est comme si le prophète leur dit, exprimez-vous seulement. Ce que vous allez dire, je le sais d'avance, est vrai. Et ce qui est vrai, sera confirmé comme étant vrai. Alors il leur dit, ne vouliez-vous pas dire, tu as été expulsé de la Mecque et on t'a donné asile. Psychologue, très psychologue. Il leur fait dire ce qui est dans leur cœur. Tu étais chassé de la Mecque, on t'a accordé asile. Tu étais dépossédé de tes biens, on t'a donné ce que tu veux. Tu es venu humilié, on t'a accordé le triomphe. Alors les Ansar ont compris ce que le prophète voulait dire. Et ils ont dû nous répéter, Al-minnatu lillah wa li rasoulih, la grâce et la faveur n'appartiennent qu'à Allah et à son messager. Ils n'ont rien à rajouter. C'est la vérité. Et c'est là qu'il leur dit, ces biens de ce bas monde, si ces gens partent avec ces biens de ce bas monde, vous, ne voulez-vous pas partir avec Allah et son messager? Que vous ayez pour vous tout seul son messager? Alors ils ont répondu, Bala ya Rasulallah, certes au messager d'Allah. Ils ont dit, Wallahi, لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. Si les Ansar prennent un chemin, je prendrai le leur. Il dit, Laula al-Hijra, la kuntu imra'an min al-Ansar. S'il n'y avait pas la Hijra, le fait que je suis venu de la Mecque, j'aurais aimé faire partie des Ansar. C'est le prophète qui parle. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Ansar ou dithar, wa ghayruhum shi'ar. Pour l'islam, les Ansar représentent ce vêtement intérieur. Et les autres musulmans, c'est le vêtement extérieur. C'est l'intérieur qui est le plus important. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ils ont dit, Radina bi Rasulillah qasaman wa hadda. Nous sommes satisfaits d'avoir le messager d'Allah Azza wa Jal comme partage et comme gain. Et bien sûr, on pleure. Ils ont été très touchés par la manière dont les prophètes les a pris. Il les a mis en valeur. Il leur a dit, mieux vaut que vous puissiez rentrer chez vous avec le messager en votre compagnie. Regardez, si je n'avais pas fait la hijra, j'aurais aimé être l'un des vôtres. Et si vous prenez un chemin, je prendrai toujours le vôtre. Très sage, très pédagogue, très psychologue. Et je voudrais vous montrer un livre ici. C'est un livre qui a été écrit sur cet événement de Hunayn, du partage de Hunayn. Et quels enseignements pédagogiques pouvons-nous en tirer? Tout ça dans ce livre. Ce livre s'appelle
غنائم حنين les butins de Hunayn, سورة من المعالجة النبوية لمواقف الاختلاف, une manière de remédier d'une façon prophétique aux situations de divergence. Tout ce petit livre consacré à la manière de gérer les conflits. Ce petit livre, il est là. Alors regardez, la pédagogie prophétique a porté ses fruits et ils ont pris conscience que le fait d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur côté était bien plus important que tout ce butin qu'il y avait et qu'il a partagé. Un autre événement va se produire, c'est un incident. Cet incident se résume qu'il y avait un bédouin dans la masse. Il y avait un bédouin qui n'a pas aimé la manière de partager. Monsieur a reçu, il n'est pas content. La nature humaine. La nature humaine veut toujours plus. Alors qu'est-ce qu'a dit cet homme? Il a dit en parlant du prophète, « Erdil, sois juste dans ton partage. » Et dans d'autres versions, il est dit, « Ya Muhammad, ittaqillah wa adil, fa innaka lam ta'adil. » Ô messager d'Allah, ô Muhammad, même pas messager, ô Muhammad, crains ton Seigneur et sois équitable, car là tu n'as pas été équitable dans ton partage. Alors le prophète de répondre, Shaqitu in lam adil, que je périsse si je ne suis pas juste. Dans une autre version, in lam adil ana, fa man ya'dil. Si ce n'est pas moi qui est équitable, qui sera équitable? Omar ibn Khattab a directement brandi son sabre. Ah, direct, lui, je ne cherche pas à comprendre. Il ne cherche pas à comprendre Omar. Ça, c'est une offense. Tous parler au prophète de cette manière. Il sort son sabre et dit à la Sunna, Darni, laisse-moi. Je lui tranche la gorge à cet homme, à cet apostat. Alors, subhanallah, regardez la sagesse du prophète. Regardez, il regarde toujours très très loin. Il a dit, Da'hu, laisse-le. حتى لا يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. Laisse-le. Afin que les Arabes qui nous observent de loin, qui ne savent pas ce qui se passe entre nous, qui ne se mettent pas à parler, à dire Mohammed est en train de tuer ses propres compagnons. Alors que le propos est très grave, ce qu'a dit cet homme, c'est très grave, c'est une accusation gravissime de dire ça. Et pourtant le prophète l'a épargné. Pourquoi? Parce qu'il voyait très loin. Les gens qui sont à l'extérieur ne comprennent pas ce qui se passe dans ton terrain. Ils te voient mettre à exécution un homme, et c'est là que la rumeur va commencer. Hein, t'as vu? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il nous combattait, maintenant il s'en prend à ses propres hommes. Alors pour éviter cette fitna, pour éviter ce désordre dans la compréhension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laisse-le. Et là, les savants ont tiré une très grande règle. C'est la balance entre al-masalih et al-mafasid. Entre l'intérêt et la nuisance. Entre deux intérêts et deux nuisances. Ils ont des règles par rapport à ça. Ils disent, si deux nuisances, mafsadatan, si deux nuisances donc, se confrontent, c'est laquelle qu'on va repousser. Il a dit, on repousse la plus grande, même si on doit supporter la plus petite. Et lorsqu'on a deux intérêts, on essaie de gagner le plus grand des intérêts, même si on perd le plus petit. Toutes ces règles-là, que les juristes de l'islam, fuqaha al-islam, ils ont tiré toutes ces règles-là, ils les ont tirées du Coran, et aussi du vécu prophétique. Et maintenant, ce sont devenus des règles de droit. Que le juge utilise, que le chef de l'État utilise, que le mufti utilise,
que le professeur utilise, que tout acteur public utilise. Vous voyez? C'est ça le hikmah. Et ça, ça nous manque énormément aujourd'hui. On ne fait pas beaucoup attention aux conséquences de certains de nos actes. On n'est pas assez prudent. Et quelquefois, mieux vaut réfléchir à trois fois avant d'agir. Alors ici, il y a un très grand enseignement donc à tirer. Je voulais revenir sur le conclure ce point pardon du butin. Vous savez, avant l'islam, pendant l'islam, et même après l'islam jusqu'à un certain temps, dans beaucoup de guerres, tout le butin revient au chef. Et il le distribue à qui il veut. À qui il envie. Et quelquefois, il y avait du vol. Du vol parce que les soldats savent qu'ils risquent de ne pas recevoir leur part de butin. Alors, ils volent déjà à l'avance. Ils s'entretuent pour avoir le butin. Et le jour où l'islam va s'ouvrir sur les nations voisines, c'est, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, l'impact de l'islam sur la scène internationale. Les Arabes qui n'ont aucune civilisation par rapport aux Perses et aux Byzantins, ils vont se présenter auprès de ces grandes nations, bien plus avancées qu'eux dans tous les domaines, avec des principes que ces nations-là n'ont pas. Traité de guerre, ça on l'a expliqué, notre frère Khaled aussi, on a fait un petit parallèle la semaine dernière par rapport aux conventions de Genève, et le partage du butin. La manière de le partager, ce qui va épater, étonner les peuples où l'islam va arriver. Les peuples qui recevront donc l'islam. Ils seront étonnés de voir la manière, cet esprit chevaleresque très élevé qu'avaient les musulmans dans la manière de traiter la question du butin et aussi dans leur rapport avec l'ennemi. On ne tue pas les civils, on ne s'en prend pas aux religieux, etc. Ça, c'est des principes civilisationnels, des principes de gens civilisés. Et c'est l'une des raisons qui a fait que beaucoup de ces peuples vont adhérer très rapidement à l'islam. Parce qu'ils vont comparer entre l'autorité byzantine ou perse qui les exploitait et entre ces musulmans nouveaux qui arrivent, qui hier étaient des sauvages et barbares en Arabie, et les voici maintenant dotés de principes. Ils ont une ligne de conduite. Ils ont révolutionné les relations internationales à leur époque. Et ça, je crois que c'est un point sur lequel on ne met pas souvent l'accent. On est tellement complexé qu'on croit que tout vient de l'Occident. Eh bien, détrompez-vous. Les musulmans avaient une très grande longueur d'avance. Une très très grande longueur d'avance. Dans beaucoup de domaines. Mais c'est nous qui avons régressé aujourd'hui. Ce n'est pas l'islam. C'est nous qui avons régressé. Et moi, je pense que ce point est très important à souligner. Surtout pour ceux qui sont étudiants et qui font des comparaisons ou qui ont des discussions. C'est bien de vous armer d'exemples historiques. Il y a 2 ans, lorsque j'étais parti en France... J'étais au sud de la France, il y avait un frère qui faisait des études universitaires et préparait une thèse de doctorat sur l'apport de l'islam dans le domaine de la science économique. Et son directeur de recherche ne voulait pas que ce frère prenne ce sujet en lui disant « Mais de toute façon, l'islam n'a aucune relation avec l'économie. » Vous imaginez? Son professeur lui dit « L'islam n'a aucun apport, aucune relation. » Et ça, c'est l'ignorance et aussi le préjugé basé sur un mépris et sur ce sentiment de supériorité par rapport aux autres cultures, aux autres peuples, aux autres religions.
Alors le frère a réussi avec beaucoup d'intelligence à prouver A plus B à ce directeur de recherche que les musulmans, fut à un temps, ils avaient une très grande longueur d'avance dans le domaine économique et même dans bien d'autres. Ce qui a fait que ce directeur de recherche n'a pas continué à polémiquer, il a laissé choisir son sujet, donc dit tout simplement. Et ça, c'est parce que malheureusement, on a aussi affaire à des musulmans qui sont complexés. Et quand on leur demande pourquoi vos pays sont en retard, alors ils répondent ah, parce qu'on est musulmans. C'est l'islam le problème. Nous, on veut être comme vous. Dans les années 60, il y a un jeune qui est venu d'un pays arabe. Il est venu en Allemagne faire des études de médecine. Et lorsqu'il est venu faire ses études de médecine, il a fait la connaissance d'un de ses professeurs. Il s'est noué d'amitié avec lui. Et son professeur lui demande un jour, lui dit, mais comment ça se fait-il que vous, qui aviez une très grande civilisation dans le passé, vous êtes maintenant en retard? Alors ce jeune homme complexé se contente de répondre en disant, c'est à cause de l'islam que nous sommes en retard. Après, plus tard, le professeur l'a pris avec lui. Il lui dit, viens, je vais te faire visiter un hôpital. Et il l'a pris dans un hôpital, il l'a emmené dans le département, donc tout ce qui est maladie, donc gastro. Comment on appelle ça? La gastrologie. Alors il l'a emmené. Et il lui a montré une enseigne qui était sur une porte. Il y avait un texte, mais sur un allemand, hein, écrit. Il lui dit, lis un peu. Alors il lit. Il dit, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, oui, c'est vrai, c'est très juste. En fait, ça parlait du miel. Comment le miel est efficace pour soigner les diarrhées? Qu'en penses-tu? Il dit, oui, c'est très pertinent. Il dit, c'est toi qui as dit ça? Non. Bien, c'est votre prophète qui a dit ça. C'est vous qui êtes en retard. C'est pas l'islam. Terrible de recevoir une leçon d'un non-musulman. C'est terrible ça. Il va lui apprendre c'est quoi l'islam. Voyez-vous? Alors les musulmans sont arrivés auprès de ces peuples avec des principes nouveaux. Pas de sauvagerie, pas de barbarie. Des principes de discipline, de partage équitable, etc. Maintenant, nous allons terminer cette partie, Inch'Allah, si vous le voulez bien. Je vous avais dit la fois passée aussi en passant que le chef de Hawazin, on a vu ça la semaine dernière, qu'il s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam et il est devenu l'un des fervents défenseurs de l'islam. Alors qu'il était l'un des fervents combattants et adversaires et ennemis de l'islam. Lorsque un grand groupe de Hawazin s'est présenté pour se convertir auprès du prophète sallam, il leur a demandé où est votre chef? Malik bin Aouf al-Nasr, où est-il? Ils l'ont dit, il est à Taif. Alors il leur a dit, dites-lui que s'il vient et que s'il adhère librement à l'islam, on lui remet tous ses biens. Et il ne peut s'attendre qu'à une hospitalité généreuse de notre part. Et c'est ce qu'a fait Malik ibn Auf al-Nasri. Il s'est présenté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a remis tous ses biens qui ont été capturés pendant la guerre et il l'a honoré et comblé de beaucoup de bienfaits. Et c'est devenu un fidèle de l'islam et un fervent partisan de l'islam. Vous voyez comment l'islam peut changer une personne, peut transformer un personnage. À nous de réfléchir. Je terminerai, Inch'Allah, cette partie consacrée à Hunayn par les principaux enseignements qui ont été institués durant cette bataille. Le premier de ces enseignements, cela concerne
les femmes qui ont été capturées durant la bataille. Qu'est-ce qu'on en fait? Ces femmes prisonnières, qu'est-ce qu'on en fait exactement? Alors ici, il a été autorisé à partir de Hunayn à ce que ces femmes deviennent esclaves. Et quand on dit esclaves, c'est qu'elles vont passer sous l'autorité d'un homme. Elles seront sous sa charge. Et bien sûr, esclaves veut dire qu'elles sont un degré au-dessus de prisonniers et un degré en dessous d'hommes ou femmes libres. Et j'en ai parlé à maintes reprises pour ceux qui se souviennent, la question de l'esclavage a toujours été un point sur lequel les ennemis et les adversaires de l'islam, à la tête desquels on retrouve les orientalistes, ils ont toujours attaqué l'islam par rapport à ça. Mais lorsqu'on analyse leurs propos, leurs arguments, on voit qu'ils sont injustes et qu'ils ne sont pas réalistes. Pourquoi? Parce que l'islam, lorsqu'il est venu, l'esclavage n'était pas propre aux Arabes. L'esclavage était une tradition sociale, un usage social admis dans toutes les nations de l'époque, sans exception. C'était normal. Au contraire, si tu n'as pas d'esclave à l'époque, tu étais considéré comme quelqu'un qui n'était pas normal. Ce n'était pas naturel de ne pas avoir d'esclaves. C'était un ordre social naturel à l'époque. Toutes les nations, sans exception, le pratiquaient. L'islam, lorsqu'il va venir, il va procéder à une réforme, pas une suppression du système, parce qu'il est là, mais il va procéder à une réforme du système en encourageant le fait d'affranchir les esclaves. Au grand maximum. Il y a plein de préceptes de l'islam dans lesquels il est prévu d'affranchir des esclaves. Celui qui a des rapports sexuels avec son épouse en journée de Ramadan, d'affranchir l'esclave. Celui qui tue quelqu'un involontairement, affranchir l'esclave. Celui qui jure de ne pas approcher son épouse et qui regrette après et qui se repent, affranchir un esclave. Il y a pas mal de préceptes de l'islam qui vont tous dans ce sens-là, qui d'encourager les musulmans à l'époque d'affranchir les esclaves. Mais si tu veux quand même garder un esclave, en dehors de ses exigences, de ses conditions propres à certaines situations, si tu veux avoir des esclaves, eh bien, tu dois les traiter de façon digne. Tu dois les nourrir de la même manière dont tu te nourris et les habiller de la même manière dont tu t'habilles. Alors ça, allez chercher ça dans les autres sociétés. Grecques, byzantines, perses, indiennes, chinoises, etc. Vous ne trouverez pas cet état de fait. C'était une révolution à l'époque. On a amélioré la condition des esclaves en encourageant en même temps à les affranchir. Alors, de là à dire que l'islam a encouragé l'esclavage, ça c'est de l'ignorance et c'est une injustice. Il suffit de parcourir les textes du Coran et de la Sunna, la biographie prophétique, le vécu prophétique, et on peut en dégager cette réforme qu'a préconisé l'islam par rapport au système de l'esclavage, où l'esclave ne valait absolument rien. Et l'islam a même institué un système, une méthode pour affranchir les esclaves. À l'époque, c'était une véritable révolution. L'esclave pouvait se racheter lui-même. On appelait cela al-mukataba. Il travaille et il paye. Il donne une partie de son salaire à son maître, sous base d'un contrat. Et au bout d'un certain délai, son maître lui dit « Tu peux partir, t'es libre. » Alors la question de l'esclavage doit être abordée premièrement sous l'angle de l'époque où c'était pratiqué, où c'était normal. Et en même temps, on doit y voir aussi l'autre angle qui est la réforme que l'islam a apportée à cela. Et ça souvent, dans des discussions que j'ai avec des non-musulmans, ils disent « Ouais, mais l'islam a encouragé l'esclavage, a permis l'esclavage. » Mais attention, vous vous trompez d'époque. Est-ce qu'il y avait que les Arabes qui pratiquaient l'esclavage? Les Byzantins ne le faisaient pas? Les Indiens, les Chinois, les Perses ne pratiquaient-ils pas l'esclavage? Primo, secondo,
Quel était le statut des esclaves dans ces nations voisines par rapport aux musulmans? Croyez-moi, il n'y a pas lieu à comparer l'incomparable. Le maître avait un droit de vie et de mort sur l'esclave. Avec l'islam, ça c'est fini. Seul Allah Azza wa Jal a un droit de vie et de mort sur ses créatures, pas le maître. Bien sûr. Et ça, c'était une révolution à l'époque. C'était une révolution. Alors qu'à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, avant l'islam et dans les nations voisines, on achetait les esclaves. Les affranchir, c'était rare. Ici, c'est l'inverse. On encourage à les affranchir. Mais si tu veux en avoir quand même, eh bien, tu dois respecter une série de conditions. Vous voyez? Donc, il aurait été permis, ici, de les prendre sous leur autorité, ces femmes, et elles passent sous leur autorité uniquement après la fin de la période de viduité. Alors, est-ce que c'est pas une révolution, ça? Des femmes qui tombent prisonnières entre les mains des musulmans, elles ne passent sous leur autorité, sous leur tutelle, comme esclaves, c'est-à-dire qu'il peut l'épouser, que lorsque elle a fini sa période de viduité, soit une menstrue, ou alors l'accouchement. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que cet homme, qui est le nouveau maître de cette femme, peut la toucher et l'approcher. Ça, c'est une véritable révolution. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Avant, à partir du moment où toi, en tant que soldat ou commandant, il y a des femmes prisonnières entre tes mains, eh bien, tu en fais ce que tu veux. Et sinon, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Elle est prisonnière maintenant, il faut lui donner un délai de viduité, et ce n'est qu'après que tu peux la mettre sous ton autorité et qu'elle peut devenir ton épouse en étant esclave. Ça, c'est la première chose. Deuxième enseignement institué, j'ai perdu le mot d'ailleurs, aidez-moi si vous le retrouvez, il y a ce qu'on appelle al-mukhannathin. Al-mukhannathin, ce sont les personnes, c'est rare dans les sociétés, mais ça existe jusqu'à aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont un sexe ambigu. Non. Hermaphrodite. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu une émission là-dessus. J'ai vu une émission d'un homme enceinte. Et dès que moi j'ai pensé à ça, j'ai dit ça, c'est certainement le cas de Mukhannath. C'est certainement le cas de Mukhannath. Mais je n'arrive pas à trouver. Ils l'ont dit dans l'émission le nom de la personne. Enfin, le statut, le nom de ce statut-là. Donc les hermaphrodites. Voilà. Donc les hermaphrodites, ceux en tout cas qui ont un penchant féminin, avant la bataille de Hunayn, ils pouvaient rentrer chez les femmes, de par leur côté féminin. Un incident s'est passé, l'un d'entre eux a décrit à des hommes une femme qui s'appelle Badia bint Ghaylan al-Dimashqi. Al-Thaqafi. Badia bint Ghaylan al-Thaqafi. Donc il l'a décrit. Parce que bon, c'est. Il vit avec elle. Elle vit avec elle. Et donc, ça permet certaines choses. Alors le prophète sallam a. À partir de ces enseignements, il a interdit à ces hermaphrodites d'entrer auprès des femmes pour éviter que cet incident ne se répète qui touche à la moralité de la société. Ok ? Aussi, parmi les enseignements institués, l'interdiction formelle de tuer les femmes, les enfants et les vieillards. Et tous ceux, bien sûr, qui ne participent pas au combat. Également, il est permis de faire appel aux polythéistes, faire appel à leur service dans la guerre. Et ceci, à condition, il y a des conditions, à condition que si on fait appel à eux, que toute notre démarche ne
prennent pas leur empreinte à eux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre leur étiquette à eux, comme quoi c'est nous qui avons fait ça. Il faut que l'autorité de l'islam ait le dessus dans cette guerre ou cette campagne. Ça ne peut pas être les politiciens qui revendiquent quoi que ce soit par rapport à ça. On vous demande service, ils ne peuvent pas exiger le moindre droit, à part le contrat qui nous lie, par rapport à ce service, pas plus. Comprenez ça, ce détail-là ? Mais il n'est pas clair. Préciser, ok. Vous vous souvenez que le prophète sallam a fait appel à des boucliers de Safwan ibn Umayya. Vous vous souvenez de ça? Et il les a loués. Sachant que Safwan ibn Umayya n'était pas musulman. Sachant que Safwan ibn Umayya, lorsqu'il les a loués, non seulement il n'est pas musulman, mais il sait que les musulmans vont les utiliser dans la guerre. Alors il n'a pas droit à un regard sur cette guerre. C'est-à-dire s'il y a un butin, il ne peut pas recevoir une part. Il ne peut rien revendiquer par rapport à cette guerre. Tout ce qu'il peut revendiquer, c'est le dû qui lui revient par rapport au prêt. Ou par rapport à l'emprunt qui était contracté avec lui. Stop. Ça s'arrête à ça. Donc, il ne revendique que ce qui lui revient par rapport à la transaction qui était faite avec lui. Il ne peut pas avoir de droit de regard sur le déroulement de la guerre ou ses résultats. Tout ça pour que l'empreinte de l'islam reste intacte sur les résultats et sur le déroulement de cette guerre, de cette campagne. On ne peut pas mettre leur drapeau, un peu comme aujourd'hui, ce qu'on appelle le sponsoring. Tu viens demander de l'aide, il te dit ouais, mais à condition que tu mettes mon nom sur ton affiche ou bien sur ton slogan, je ne sais quoi. Ici non, ici les politistes n'ont pas le droit de laisser leur empreinte dans l'expédition militaire du prophète, pas question. On vous demande un service, ça s'arrête à ça, pas plus. Et ça c'est très important ce sujet. Parmi les enseignements qui ont été institués, l'autorisation de remettre, de distribuer une partie conséquente du butin assez fraîchement convertis pour les gagner à l'islam. Ou alors, afin de les convertir à l'islam. Soit ils sont convertis déjà, ou alors pas encore, ils sont dans l'hésitation, alors on peut les gagner pour leur donner certaines places. Ce n'est pas des pots de vin, hein, rien avec les pots de vin. Ce ne sont pas des pots de vin. Ok. Et le dernier enseignement avec lequel nous terminons cette partie, Inch'Allah, c'est la permission faite d'accomplir la Umrah à partir de Al-Jahran. Donc celui qui voulait faire la Umrah à partir de Al-Jahrana en direction de la Mecque pouvait le faire sans problème. Donc il était institué comme étant, si vous voulez, provisoirement, comme étant un miqat, un lieu de sacralisation. Ok. Ça, ce sont les principaux enseignements que nous pouvons tirer, enfin, qui ont été institués, pardon, durant la bataille et l'expédition de Hunayn. Alors maintenant, je vous pose la question, vous, après avoir écouté attentivement le déroulement de cette expédition, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement et leçon ? Qu'est-ce que vous en tirez ? Les deux, vas-y. C'est par exemple le fait qu'on puisse, mais on peut dire privilégié, mais donner plus de. Pour gagner les gens en islam, soit les fraîchement convertis, et gagner l'islam, soit en donnant de l'argent, ou pour la zakat, etc. Donc le prophète sallam a privilégié certains fraîchement convertis dans le but de fortifier leur adhésion à l'islam. C'est ça. Et donc c'était. Et après c'est devenu. Tu l'as très bien dit, c'est devenu une part ou une catégorie bénéficiaire de la zakat. Suite à l'événement de Hunayn. Très très bien. Oui. Qu'il ne faut pas se fier au nombre pour s'accréditer la victoire. Et qu'il ne faut pas mettre à la tête des armées des gens qui viennent se convertir. Très bien.
Donc il ne faut pas se fier au nombre, parce que ces fraîchement convertis avaient l'habitude de sortir en nombre, comme ça on court tous dans la même direction. Alors ici, ils ont vu les premiers revers qu'ils ont subis, et le verset qui est descendu d'ailleurs dans la sourate Tawba, le repentir, où Allah Azzawajal réprimande les musulmans en leur disant: وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Le jour de Hunayn, lorsque vous avez pu constater que le nombre ne vous a servi absolument à rien. Et aussi, on ne met pas à la tête de l'armée des gens qui sont encore fragiles, mais on met plutôt en avant des gens qui sont aguerris. Et c'est ce qu'Abou Bakr plus tard va comprendre suite à ces guerres où il va mater, donc la rébellion de ces apostats. Certains d'entre eux vont revenir à l'islam et pourtant, il ne va pas leur permettre d'occuper des postes de fonction de commandement, parce qu'il n'est pas sûr à 100% que ces gens-là ne retournent pas leur veste à nouveau, parce qu'ils sont fragiles. Donc la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam gérait les conflits en tenant compte des sensibilités de ses compagnons, tout à fait. Et ça, vous avez pu le voir à travers tout le voyage qu'on a fait dans la Sira. Vous avez pu découvrir en différents moments et instants, il a su comment ménager ses compagnons, comment gérer les petits conflits qu'il y avait entre eux, parce que, rappelons-le, ce sont des êtres humains. Donc aussi, c'est ce regard équilibré que l'islam a envers certaines questions sociales, comme l'esclavage. Ce qu'on a parlé là maintenant par rapport à ces enseignements qui ont été institués, que ces femmes pouvaient devenir esclaves après. Et on a découvert ensemble que l'islam a réformé le système d'esclavage, mais en même temps, parce que c'est une réalité, il est pragmatique, mais en même temps, il a encouragé les musulmans à affranchir le maximum d'esclaves. Tout à fait. Parce que c'est facile de dire qu'il faut mettre un terme, mais il y a une réalité dont on peut tenir compte. Si on a l'islam, justement, il en tient compte. En disant, il faut... Tout à fait. Donc, comme le dit notre frère, il est facile de prétendre de mettre fin à l'esclavage, mais il y a une réalité, il y a une mentalité, il y a une éducation, il y a un terreau, il y a un moule dans lequel des gens, des générations ont été formées, qu'on ne peut pas toujours au lendemain leur dire c'est terminé, on abolit donc l'esclavage. C'est pas possible. Et ça peut créer même des tensions au sein de la société. Très très bien. Qui encore... Oui, il est sans intérêt. Pardon ? Il est préférable de faire un repli que le professeur Sinan fasse à... Celle-là. Le siège de Taïf. Tout à fait. Donc il est préférable de procéder à un repli stratégique, comme l'a fait le prophète sallam par rapport à Taïf, que de persister à assiéger la ville alors qu'il aurait pu le faire et continuer sans problème. Et d'ailleurs, les compagnons étaient partants. Mais il a préféré parce qu'il lui avait un autre but. Parce qu'il sait que sur le long terme, Taïf allait tomber d'office, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est, bien sûr, ça fait partie des qualités du chef qui est perspicace, qui est pragmatique et qui voit loin. Ismaël, t'as pas un enseignement à tirer, une leçon à tirer de... Vas-y. Tout à fait, tout à fait. Ça, on avait vu, ça, ouais. Tout à fait. Donc, les femmes dont les époux sont avares, sont radins, eh bien, elles peuvent prendre une partie à leur insu de leurs biens, ce qu'elles ont besoin pour elles et pour leurs enfants. Et le prophète l'a autorisé d'une façon explicite à l'épouse d'Abou Soufiane, Hind, qui est venu se plaindre de son mari, Abou Soufiane, radiallahu anhu, comme étant quelqu'un d'avare, de radin, ne donne pas facilement l'argent. Tout à fait. Espérons, Inch'Allah, qu'il n'y a personne parmi nous qui est radin. Parce que s'il y a des épouses qui nous entendent, elles vont dire, c'est bon, la carte blanche, on peut y aller. Donc, alors, faisons le pas de nous. Comme ça, on est tranquille. Et bien sûr, nous concluons ce cours. Et la semaine prochaine, nous allons commencer la bataille de Tabouk.
Et dans la bataille de Tabouk, il y a aussi pas mal d'enseignements à tirer, surtout un incident qui va se produire et duquel l'islam va instituer une série d'enseignements et nous découvrirons ça inchallah, ensemble, Inch'Allah, dans les cours prochains. Barakallahu fikoum et je vous souhaite Inch'Allah une bonne fin de soirée. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.